Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit masque de carnaval. C'est une merveilleuse occasion pour partager un moment créatif avec vos enfants. Alors, nous allons commencer par découper un carré dans le papier imprimé de 21 cm de côté. Ce papier, on va le plier avec la planche à plier tous les centimètres. Les plis étant marqués sur tout le carré, on va maintenant procéder au pliage. Maintenant, je vais poser un double face ici et le plier en deux. Avant d'ôter la protection, je vais marquer le pli bien au milieu. Pour les yeux, nous allons découper une série de ronds. Il me faut deux ronds verts de 8 cm. Ensuite, deux blancs de 5 cm. Et deux noirs de 3 cm. Il nous reste à découper le bec. Là, je vais utiliser la matrice de 5 cm. On va procéder au collage. Donc, je vais coller mes ronds blancs sur les ronds verts et les ronds noirs sur les ronds blancs. Maintenant, on va procéder ici au collage des petits rubans pour les sourcils et pour la petite houppette ici au-dessus. Je vais découper 14 rubans de 5-6 cm. Nous allons plier chaque ruban en deux et le coller sur lui-même et ensuite le coller sous l'œil ou au niveau de la houppette. Donc, je fais ça avec le double face. Les trois premiers que je vais mettre ici au-dessus de l'œil. Et là pour le premier, on va faire pareil pour le second. Alors, il me reste à fixer la houppette ici au-dessus. Je vais commencer à fixer un ruban de chaque côté du pli central, que ce soit bien au milieu. Il nous reste à fixer le tout. On va commencer par plier le bec, plier la rondelle en deux. Et je vais venir la coller ici au centre. Alors, je ne mets pas trop de colle dans le bas parce que c'est le petit morceau de l'œil qui dépasse. Il faut attendre un petit peu le temps que ça sèche.
Alors pour terminer, on va faire deux petits trous, un de chaque côté, pour y passer un petit ruban ou même un petit élastique. Je vais passer le ruban. Et je vais le maintenir avec un petit morceau de double face. Et voilà.